Salut les bébêtes. Ça m'a l'air rempli d'être de bonnes petites choses assez ragoûtantes tout cela. Ça a pas l'air d'être très grand. Ou alors c'est faux. Ah, une voix désincarnée dans ma tête. Très bien. Bonjour messieurs dames. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, les ouvriers sont assez faibles. Ils sont même très faibles. Et ça, ça drop un quartz, une aventure. Oh, mais ça drop pas mal de trucs rares. Des débris. Ah, moi, je vais tout faire. Hein. Là, ça fait un peu plus d'une heure, mais je continue quand même. Au cas où. Emir, reviens là. Ah, là. Qu'est-ce que... Des œufs? Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit des œufs, en fait. Mon dieu, ce coffre est pas verrouillé. Attends, j'ai pas pris la potion. J'ai pas pris la potion. Ah mon dieu, c'est un guerrier. Ouais, en fait, on est chez les fourmis, je crois. C'est basiquement. Basiquement, on est chez les fourmis. Ouais. Ça se tient un peu mieux. C'est les fourmis, c'est des hommes fourmis, c'est les mecs. J'avoue quand même que l'XP est gratuit. Ah, je le reconnais, ce bon. L'XP est assez gratuit dans cette zone. Tout droit ou un peu à droite, un peu à gauche. Bonjour, je sais pas comment t'as fait pour ne pas me voir. On va se reposer cependant. Repesons-nous un peu et moi je vais prendre le poison dans la gueule. Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à le porter. Bon, l'effet de la maladie. Je l'ai viré, j'aurais dû le virer avant. Maintenant, faut juste que j'attende. Ah, on s'amuse là. Viens, 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 je t'en prie, viens. Venez. Créateur du chaos, tu veux parler des strades? Ah, c'est chiant. Tiens. Je vous ai dit que la maladie c'était une mauvaise idée. Je continue à le dire. Alors, dextérité, force, constitution. Constitution encore, donc je reste au-dessus de 100 points de vie. Maintenant, faudrait que je me repose. Un cycle complet.
Ah, je me suis pris quoi? J'ai eu combien de malus dans la gueule? J'ai un moins 4. Oh la vache! Le moins 4. Oh là là! Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces caractéristiques de merde? Ah, puis ça va pas partir. Très bien. Ça veut pas partir. Je reste calme. Je me suis calme. Je suis très très calme. Ouais, ma potion de force de taureau. Encore une. Ah, c'est pas cumulable. Ah la vache, que je déteste ça. Je déteste ça. Bon, je pense que je vais pas vous. Je vais pas vous montrer tout le périple infâme que c'est. Donc du coup, je vais cutter, enfin je vais faire un cut ici et je vais sans doute reprendre au même endroit, mais avec des stats un petit peu meilleurs, à moins que ça bouge. Est-ce que ça bouge? Absolument pas. Donc du coup, bah à tout de suite. Je dois vous avouer que je suis un peu con parce que la seule chose qu'il fallait prendre, c'était antidote. Voilà, parce que contre les poisons maladies, venin en tout genre, donc les effets du poison. Donc je suis un petit peu stupide. Mais j'ai réfléchi pendant au moins 5 secondes et puis j'ai trouvé. Donc, continuons à tuer les fourmis. Parce que très clairement, c'est ce qu'on fait. On tue des fourmis à la pelle. Et je prends l'or aussi parce que bon, au cas où, faudrait... Non, je vais continuer tout droit. J'ai arrêté de m'arrêter sur des trucs et des machins. Là, il y a quoi? Là, il y a qui? Il y en a un guerrier. Il y a une fourmi guerrière. Oh putain, il y en a une qui m'a pris derrière. Ah, ça y est, c'est l'alarme. Alarme. Ce que nous attendions, vous ne répondez pas à notre injonction. Mais qui me parle? Qui es-tu, voix dans ma tête? Ça va aller très très loin cette histoire. Ah mais ça bouge vite ces conneries en plus. D'accord, bonjour. Ah une horreur, qu'est-ce qu'est. Une bonne question cette horreur, qu'est-ce qu'est. C'est bon, je suis en train de faire tout le tour pour rien. Pour l'instant tout va bien, hein. Les fourmis décèdent. Une par une. Ah ça y est, enfin du vrai combat. Je sais pas, peut-être.
Bon bah, c'est quand même con que au bout d'un meurtre, d'un génocide, hein, même dirais-je, je sois obligé de d'aller tout droit, tel un ordre que l'on m'a donné. C'est quoi ça? Salle de la reine. Oh! Une reine formienne. La reine formienne. À quoi elle ressemble la grosse bête? La grosse bestiasse. Ah, elle est grosse. Oh, un coffre. Oh, un coffre. Attends, je prends le coffre. Attends, je prends le coffre. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ta gueule, ta gueule. Bonjour. Bonjour. La jeune reine de la colonie vous observe et sa voix. Ah putain, issue perpétuelle de votre esprit. D'accord, paisible étranger, vous venez à nous en un jour funeste, mais dont ici est encore tombé. Nous proposons une trêve, une alliance contre ces créatures qui nous sommes bien plus nombreuses. Bonjour, je m'appelle Yann, bonjour, nous sommes une colonie, vous êtes seul. Où est votre colonie? Tout votre esprit dans un seul corps si étrange, vous n'êtes pas comme nous. Non, votre forme nous déplaît, mais nous avons envie de travailler avec vous. Quand faites-vous? Il est très difficile de comprendre ce que vous dites, c'est notre façon d'accord, sans vous savez vos mots non plus. Que proposez-vous? Nous battons votre esprit. Vous êtes fort, nous l'avons vu, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle crée de là, ta gueule? Pour combattre les créatures du chaos, nous avons vu aussi, si vous nous luttons ensemble contre le chaos, nous sommes plus forts. Travaillons ensemble. Très bien. Un cristal est formien. Nous réparerons les murs si vous ne pouvez pas remettre. Alors. Voici le cristal. Quand vous quitterez notre colonie, nous vous réparerons les murs. Si vous ne pouvez pas revenir, personne ne le pourra. Longtemps notre esprit se souviendra ce jour. Allons faire la guerre pour la paix, amis de la colonie. Un coffre avec rien et un bloc de roche. Oh! Ah oui, on dirait des espèces de. Alors c'est complètement. Ça n'a rien à voir avec les. Les. Oh. Vas-y, je tente. J'escalade et paf! Il y a quelque chose d'étrange ici. Mais oui, messieurs. Ah, le truc est rebouché. Qu'est-ce que. Il y a quelque chose d'étrange. Il y a une porte, oui. Je suis où? Oh, je suis là, mec. Je sais pas où je suis, mais j'y suis et je me fais défoncer par des minogons. Tiens, tiens, oh la vache, Xalos qui est en train de nous montrer toute sa force. Les minogons, putain. Ah, c'est un passage secret aussi. Ah ouais, mais bien secret en plus. Faut le deviner. Paf, je me prends un piège. Mais en plus, c'est verrouillé. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait là il y a quoi? Oh il y a du loot. Discipline plus 6. Je prends. Je prends. Un arc non compétent. Oh, oh, oh. Je prends aussi, je prends aussi. Ça. Ça je le sens. Oh la vache, mais il y a un gros loot. Une fissure. Et une fissure. Petit sort, je prends. Ah ouais, donc le trou est bien rebouché d'ailleurs. On peut le voir. Mais enfin bon, c'est tant mieux. Et la pierre qu'elle m'a donnée, par contre, je voudrais l'analyser. Voir qu'est-ce que c'est. Grosse pierre. Alors, ce cristal permet d'invoquer les guerriers formiens pour vous aider à combattre cela. Il ne peut être utilisé qu'une seule fois. Oh! C'est cool, fallait peut-être me le dire avant. Inutile. Inutile. Bon, maintenant que cela est fait, on va peut-être pouvoir avancer et résoudre l'énigme. Ah bah même la fissure là est... Ok. Donc, Drogan, tu es toujours là. Oui, parfait. Bon.
piliers. D'accord, des piliers, des piliers, des piliers et des piliers. Très bien. Dans quel ordre je les... dans quel ordre je fais tout ça? Attends, regarde la boule de cristal encore une fois. Voyons, un indice, sûrement. Une torche, un truc, un machin et une stèle. Ah, ça m'était énervant de ne pas savoir. Et puis là, il y a des piliers. Il y avait un bouton dessus. J'ai appuyé sur le bouton. Très très bien. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer une combinaison au pif. Ah, il y a un truc. Ah, ah, c'est d'accord. Ok. Je viens de comprendre. Les énergies magiques. Ah, ah, d'accord, je vois. Donc, ce que je vois, ce sont, c'est l'endroit du pilier, des piliers à activer. Et donc là, un portail avec de rien du tout. Un portail avec rien du tout. Un portail avec rien du tout. Là-bas. Ça pourrait être. Ah, ça pourrait être ça. Et ça pourrait être ça. Faudrait que je laisse un objet à chaque fois. Je vais faire ça. Ça doit être ça. Ouais. Voyons. C'est tendu de trouver. Là pour la droite, la gauche, ok. Ah, je vais faire ça à chaque fois par contre. Hein. Ensuite la prochaine. Ah, c'est une même salle, sauf que là il y a un truc un peu blanc. Il y a un carré qui a un poil blanc. Ah ouais, puis on voit que j'ai activé un truc. On voit que j'ai activé un truc. Avec une espèce de carré blanc. Ah voilà, c'était celui-là. Là, c'était ce carré blanc. Ouais, je le reconnais. Donc c'est ici. Yes. Ah ouais, c'est quand même une énigme assez chiante. Hein. Des allers-retours à foison. Mais a priori ça marche. A priori ça marche. Ensuite, que vois-je? Que vois-je, que vois-je? C'est allumé. Ouais, ça a l'air d'être allumé des deux côtés. Ça pourrait être ici. Non, pas ici. Ça pourrait être là ou là. Ça pourrait être là ou là. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y avait un truc, un dessin qui pourrait m'aider? Non, c'est ça, il faudrait laisser des objets. Est-ce que je teste? Oui, ça marche. Oh, c'était celui-là. Je pense que là, faudrait laisser un objet, en fait, à chaque fois. Donc là, je suis à 4 piliers. Donc dès que je sais quel est le cinquième, je pourrais déduire le sixième. Là, c'est un truc éclairé en haut à droite. Un truc éclairé en haut à droite. En haut à droite, en haut à droite. Ici. Ouais, c'est celui-là. Et donc, en procédant de façon logique,
Je dirais que le dernier à activer est celui-là. Le milieu, celui-ci. Normalement. J'espère que c'est ça. C'est quand même assez tordu comme énigme.